à toi, Enigma, de prendre quelques minutes pour répondre à nos questions. Bien sûr. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas? Mon nom est Enigma, je viens du Portugal, de Trejo-Ardèche. Je suis catcheur depuis maintenant à peu près 5 ans. Ouais. J'ai toujours adoré ça, quand j'étais bien tout petit, j'ai toujours voulu le faire. Et on m'a donné l'occasion de me produire ici et j'ai pu me produire encore dans mon pays au Portugal. Très bien. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours depuis que tu as débuté le catch jusqu'à maintenant? Quand j'ai débuté le catch, mon premier combat, il était très dur. J'ai vraiment eu peur. Oui. Eu peur des coups, des pleurs. Ça peut arriver à tout le monde, dans votre cœur. Ah oui, on a tous une peur, bien sûr. Et en fait, mon premier combat s'est très bien passé. Très très bien passé. Et au fur et à mesure, j'ai pu m'entraîner avec Rey Mysterio, celui qui aurait dû le mettre ce soir. J'ai pu le droit de faire un stage avec lui pendant 2 mois, comme Mexique. Grâce à lui, j'ai pu parcourir mon parcours pour venir jusqu'en France. Ouais. Et plus tard, peut-être aller à la CMLL pour pouvoir exercer dans tout ce qui est challenge. Ben, je te le souhaite. Depuis que tu as débuté le catch, quelle est la plus belle chose qui te soit arrivée? La plus belle chose, gagner mon tout premier combat. Mon tout premier combat en France, bien sûr. Mon tout premier combat, c'était le plus. D'accord. J'ai pleuré même sur le ring, c'était la plus belle chose que j'ai arrivée. Beau souvenir. Tout est beau souvenir. Parlons de ce soir, comment tu te sens? Pas tant, je sens une énergie comme jamais. Tous les gens qui sont là autour, ça donne envie, ça donne envie de leur montrer de quoi on est capable. Et ça donne toujours plus de force et d'envie, bien sûr. Pas de stress, il n'y a pas besoin de stresser. Les gens, ils sont pas là pour nous manger. Ils sont là justement pour nous. Très bien. Eh bien, je te remercie d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Et je te souhaite bon courage ce soir. Merci. Merci à toi. Merci.